Coucou tout le monde, c'est Sophia et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Tour du monde de la cuisine. La cuisine est un voyage et c'est au Maroc que nous nous dirigeons pour cette recette. Nous allons réaliser ensemble la recette des crêpes mille trous, plus communément appelées les barrières. On regarde ensemble les ingrédients. 400 g de semoule fine, 200 g de farine, 1 cuillère à soupe de levure boulangère sèche, 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de sel et un sachet de levure chimique. Commencez par diluer la levure boulangère dans un petit verre d'eau chaude durant 10 minutes. Dans un saladier, versez tous vos ingrédients secs et mélangez. Dans votre mixeur, versez 1 litre d'eau chaude et ajoutez délicatement vos ingrédients secs, la levure et mixez 5 à 10 bonnes minutes. Transvasez votre pâte dans un bol. Couvrez de film alimentaire et réservez 1h30 dans un endroit sec. La pâte va doubler de volume. Remuez-la et faites cuire seulement sur une face, sur une poêle anti-adhésif, sans matière grasse. Une fois cuites, déposez-les sur un torchon sec. Pour garnir vos crêpes, faites fondre sur feu doux du beurre et du miel que vous verserez sur celle-ci. Vous pouvez garnir ces crêpes de ce que vous aimez, de chocolat, de confiture, c'est selon vos envies. Et je vous dis bon appétit. Sahaftorkom. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à aller checker nos autres recettes sur notre chaîne YouTube, juste là, à consulter mon compte Instagram, juste ici. Lâchez-nous plein de j'aime, plein de commentaires et j'ai été ravie de faire cette émission avec vous. Très gros bisous.